Bien, bienvenue à l'émission point virgule. Eh bien aujourd'hui, j'aimerais vous présenter Monsieur Gérard Pelletier qui va nous parler de Datafranca. Alors bonjour. bonjour, je suis très heureux d'être dans la, cette belle région de Saint-Gabriel-de-Brandon et de la Naudière. Je suis déjà venu en vacances déjà il y a un certain temps. Là avec la neige, on voit moins la nature, mais ouais. c'est quand même tout à fait très très bien. Alors, je suis heureux que vous m'ayez invité pour faire cette présentation de Data Franca et de la mission de Data Franca du livre que nous avons développé. Alors, qui est Data Franca? Data Franca est une organisation sans but lucratif qui a pour mission de définir les termes en, en sciences des données et en intelligence artificielle et de diffuser la connaissance auprès de différentes clientèles, que ce soit des fonctionnaires, les entreprises et aussi la population en général, parce que la population en général est touchée par cette question qu'on appelle l'intelligence artificielle, mais on va voir que c'est plus complexe que strictement l'intelligence artificielle. Alors on peut, euh, on peut présenter, euh, on peut commencer. Bon, alors il y a un livre qui vient d'être publié. Alors oui. Alors là, on parle. Intelligence artificielle n'existe pas, mais on en entend parler énormément de ça. Ça, c'est très vrai. Et c'est un Français qui, euh, comme tous les Français, essaie de, un peu d'attirer l'attention, parce que c'est un spécialiste de l'intelligence artificielle. C'est un, un individu très connu. Et il n'en reste quand même pas moins que c'est vrai et c'est faux. C'est vrai dans le sens où l'intelligence artificielle, il y a plein d'applications, puis on va le voir tout à l'heure. Mais l'intelligence artificielle, il y a sept grands domaines, une vingtaine de sous-domaines. Donc, ce n'est pas une chose qui existe. Alors, ça existe, mais il y a différentes facettes. On va voir ça dans la présentation. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'il faut distinguer les données. Parce que s'il n'y a pas de données, il n'y a pas de science des données. S'il n'y a pas de science des données, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Et quand on pense à l'intelligence artificielle, on pense à l'apprentissage profond. Alors, tout à l'heure, on va, on va voir sans entrer dans le détail, parce que c'est très complexe, mais on, on va essayer, je vais essayer, de présenter à votre clientèle, à, aux populations qui habitent dans la région, qui sont dans, dans ces, ces, qui sont pas à Montréal, et heureusement qu'ils ne sont pas à Montréal, parce que c'est plus beau ici, je peux vous assurer de ça. Mais les applications, il y en a à Saint-Gabriel, comme il y en a à Montréal, comme il y en a à New York, comme il y en a partout. Alors, si on... Regarde si on voit le est ce qu'on voit l'écran. Alors donc données massives, sciences des données et intelligence artificielle pour utiliser ces concepts, ces applications parce que vous allez voir que vous utilisez plusieurs applications sans connaître parce que les gens utilisent des applications sans connaître l'intelligence artificielle ou des entreprises utilisent sur ces personnes là. Les, les, des applications à l'intelligence artificielle, on va le voir tout à l'heure. Donc, pour les, pour les utiliser, bien, il faut comprendre, pour comprendre, il faut distinguer les concepts. Alors, la mission de DataFranca, donc, comporte deux axes, la normalisation, l'adoption et l'utilisation des termes français appropriés en sciences des données et en intelligence artificielle. <coughs> Pardon. Le développement des compétences chez les dirigeants, les employés des entreprises et des organisations, de la fonction publique, du monde de l'enseignement et de l'éducation par le biais d'outils de vulgarisation scientifique et d'ateliers de littératie numérique. Donc, vous avez ce livre. Nous avons, nous venons de publier le livre Les 101 mots en intelligence artificielle. Et les, nous en laissons quelques-uns, quelques exemplaires au poste de télévision. S'il y a des gens qui sont intéressés pour communiquer avec l'animateur, Gilles, tu pourras éventuellement faire le suivi. Et on, ça, va nous faire, ça nous fait plaisir de laisser... Alors, c'est les 101 mots. A, en fait, il y en a 140. Mais c'est un clin d'œil à la loi 101, tout le monde aura compris. Ce sont les mots qui ont été sélectionnés par des spécialistes qui ne s'adressent pas aux spécialistes que tout le monde doit connaître. La définition d'algorithme, par exemple, la définition... Il y a des mots plus compliqués que d'autres, mais c'est quand même, pour ceux qui sont intéressés par ces questions, ça leur permet d'avoir une approche complète de cette question-là. On parle de data franca. Donc, on, ce qu'on voit dans l'informatique maintenant, c'est que ça va beaucoup vers des termes anglais. Est-ce que votre rôle aussi, c'est d'amener ça vers le français? Oui, c'est d'abord et avant tout, comme vous le dites, c'est d'amener vers le français. En fait, c'est de viser la francisation de tous les termes. On travaille avec des spécialistes, naturellement, parce que il y a des termes anglais qui sont extrêmement complexes, que je ne comprends pas moi-même. Puis de toute façon, ce n'est pas mon travail. Moi, je suis, édite, je suis directeur général, donc j'ai mis l'équipe en place. Mais on a des études, On a un professeur d'Université de Montréal qui est notre conseillers scientifiques, on a un docteur, on a une, une personne qui a un doctorat en, inf, en intelligence artificielle, on a deux conseillers scientifiques, on a une équipe de jeunes qui sont étudiants et étudiantes à l'université, puis on a deux, professionnels, deux traductrices professionnelles qui travaillent avec les conseillers sp, sp, euh, scientifiques. Ce qui fait que le terme qui est choisi, qui est sélectionné, c'est le terme anglais, parce que ça vient de l'anglais, vous l'avez dit. C'est celui qui est utilisé au MIT, à Caltech, à Harvard. Donc, c'est celui qui est utilisé dans les grandes universités. Parce qu'il y a des mots qui roulent, qui circulent, mais on ne peut pas prendre tous les mots parce que ça ne donne rien. On prend les termes qui sont les plus dominants aux États-Unis. Et là, les spécialistes travaillent sur ces termes-là. Notre lexique, aujourd'hui, compte plus de 5800 termes. Bien sûr, il y a des termes hyper complexes, strictement aux spécialistes, mais ça permet aux chercheurs... De, éventuellement d'écrire en français. Parce que c'est l'objectif de nos partenaires. On a deux grands partenaires institutionnels, l'Office le, le, québécois de la langue française et les Fonds de recherche du Québec. Et le scientifique en chef du Québec, Rémi Quérion, a signé une introduction dans le livre. C'est un partenaire extrêmement important et son rôle. Son rôle, c'est de s'assurer qu'il y ait de la recherche au Québec et idéalement de la recherche en français, que les résultats se fassent en français. Nous, on est un partenaire des fonds de recherche du Québec. On fournit, comme j'ai dit, un outil, des mots. On fait pas de recherche fondamentale, on fait de la recherche sur les termes, mais on ne fait pas de la recherche sur l'intelligence artificielle. Ce n'est pas notre rôle. Il y a d'autres personnes qui font ça, mais ça permet d'avoir éventuellement aux enseignants, aux entreprises, de travailler en français, parce que c'est l'objectif. C'est la raison pour laquelle Datafranca a été créé. C'est d'abord et avant tout pour franciser les termes, diffuser les termes et aussi diffuser la connaissance. Ce qu'on fait là, c'est ce qu'on appelle la littératie numérique. Ce n'est pas de la formation. On ne fait pas de formation comme telle. On, on donne de l'information scientifique. C'est de la vulgarisation scientifique. C'est des termes bien choisis qui sont utiles, qui vont permettre à la population de mieux comprendre les enjeux qui sont associés à l'intelligence artificielle. Et comme j'ai dit, l'intelligence artificielle, ben, on va le voir, il y a plusieurs types, il y a plusieurs domaines. Alors, quand on parle de littératie numérique, donc c'est le projet d'information pour but de promouvoir l'utilisation d'une terminologie commune dans le domaine de la science des données et de l'intelligence artificielle afin de comprendre ces nouvelles technologies qui vont provoquer des discontinuités dans tous les secteurs. Tout le monde va être touché, toutes les sociétés. Ainsi, les enseignants, les fonctionnaires, les entrepreneurs et aussi la population en général pourront peser d'un poids décisif dans la révolution technologique 4.0. Nous sommes dans la révolution 4.0. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Bien, avant de définir la révolution 4.0, pour connaître l'avenir, il faut connaître le passé. Donc, on sera, les grandes aires de l'humanité, ça a commencé par, bien sûr, la cueillette et la chasse puis la révolution agricole, la révolution industrielle, et la révolution dans les années 70, on a connu la révolution, ce qu'on a appelé les, les TIC, la, la troisième révolution, les technologies de l'information et des communications. Ça a été le développement d'Internet et, et aussi le renforcement, le développement de toute l'informatique. Mais il faut comprendre que les applications et l'intelligence artificielle sont différentes de l'informatique. C'est beaucoup plus complexe. C'est beaucoup plus complexe. Il ne faut pas confondre les deux. Et là, nous sommes donc dans la révolution 4,0, c'est-à-dire le numérique, la datafication. On va définir tout à l'heure la datafication. Et on va vers ce n'est pas demain matin mais on va vers la révolution quantique. Et ça, on va l'expliquer très rapidement, mais c'est important que les gens sachent qu'on vient de quelque part, puis on va quelque part, et on est dans un, dans un contexte qui va en s'accélérant. Il faut vraiment s'ouvrir à ces technologies. Parlons rapidement des euh, NTIC, les nouvelles technologies de l'information et des communications, dans les années 70. Ben, C'était le, le développement de l'Internet et du le Web. Et il faut distinguer Web et Internet. Le Web, c'est une toile. C'est une toile constituée de sites qui est reliée par un réseau qui s'appelle Internet. Alors, le réseau Internet, le Web, c'est la toile. Et en 1983, rappelez-vous, pour ceux qui sont un peu plus vieux, l'invention du téléphone cellulaire. C'était gros comme une brique et ça coûtait 9000 dollars américains. Et en 1992, il y a eu, ça c'est l'ancêtre de tous les ordinateurs portatifs, le Data Diskman. En 1992, qui a été lancé par la compagnie Sony. Alors, ça, ça remonte pas, c'est 40 ans, là, 92, pas, ça fait pas mille ans. Et c'est. Euh, ça, ça a été le. Ben écoutez, ça a été le début de la Révolution. Parce que c'était. ça coûtait extrêmement cher. Et euh, votre humble serviteur, j'ai eu un mandat du gouvernement fédéral pour faire l'analyse. De, ce, de cette technologie, non pas technique, mais c'était pour voir où on allait avec ça. Et euh, je suis allé au Japon. J'ai eu l'occasion d'aller au Japon rencontrer les ingénieurs de Sony qui m'ont expliqué, parce que ce qui, ce qui nous intéressait, ce qui était l'objet de l'étude, c'était « Où est-ce qu'on va avec ça? Qu »« Qu'est-ce Après le data des semaines, qu'est-ce qui s'en vient? » et, et maintenant, bien, on, on est avec un téléphone comme ça qui est d'une puissance phénoménale, qui est dix fois plus puissant que ça, naturellement, mais... C'est plus petit et euh, ça nous mène à ça. C'est un téléphone qui, qui s'ouvre et qui se ferme. C'est comme ça aujourd'hui. Donc la révolution 4.0, c'est celle dans laquelle nous sommes maintenant, c'est la révolution des données. La numérisation, tout le monde sait ce que c'est la numérisation, ça fait référence à la conversion de support analogique en format numérique. Alors il y a, tout le monde connaît ce que c'est un numériseur, vous mettez votre feuille et ça devient des, des nombres, des chiffres. Des données 0 et 1 que vous pouvez utiliser avec votre ordinateur. Ça passe donc d'analogique à numérique. Alors que la datafication, aujourd'hui, c'est tout est devenu données. Vous êtes une donnée. Et lorsque les gens téléchargent une application supposément gratuite sur leur téléphone, bien, il n'y a rien de gratuit. Il faut comprendre que vous devenez une donnée, qu'utilisent vos données. À chaque fois que vous utilisez cette application, à chaque fois que vous voyagez, à chaque fois que vous parlez à quelqu'un, et comme le, on va le voir tout à l'heure, il y a des applications qui utilisent toutes les photos qui sont sur Internet. Alors si vous avez mis des photos, <coughs> pardon, sur Facebook, mais les photos appartiennent à Facebook. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec ça. Les gens oublient ça. Et c'est la datafication. Vous êtes devenu une donnée. Donc, là, on va vers la Révolution 5,0, la Révolution quantique. Alors, tandis qu'un ordinateur classique, aussi puissant soit-il, lit chaque livre d'une bibliothèque de manière linéaire, un ordinateur quantique lirait tous les livres de toutes les bibliothèques en même temps. Pourquoi? Parce que dans la Révolution 4, aujourd'hui, c'est des zéros et des 1, ce qui fait que c'est oui ou non. Et il y a des millions de, 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 de calculs qui se font. Mais c'est quand même que 0 et 1. Alors qu'avec la révolution quantique, on va de 0 à 1. Alors, toutes les données, qui sont toutes les valeurs qui sont entre le 0 et le 1 seraient utilisables. Ce qui fait qu'il n'y aurait plus un code secret. Aujourd'hui, ça il y, y a des codes, il y a des. Y a des euh, il y a des codes euh, Toutes les grandes organisations ont s'assurent ont que vous ne puissiez pas rentrer dans leur serveur. Bon, avec un ordinateur quantique, ça prend une seconde pour entrer dans n'importe quel ordinateur. Alors, ce n'est pas aujourd'hui, mais il y a du monde qui travaille là-dessus. Travaille sur l'informatique quantique. Donc, on est dans une situation de rupture, de discontinuité. Alors, en administration, on connaît ce terme-là. C'est une brisure dans l'évolution normale de l'espace économique ou technologique. C'est ce une menace importante, si une action. C'est-à-dire que s'il arrive, si vous êtes un, un vendeur de, de vêtements, puis il arrive un... Un, euh, un Costco à côté de chez vous, vous pouvez dire que c'est une menace... Ça, c'est vraiment si vous ne bougez pas, si vous vous spécialisez pas, si vous ne bougez pas, bien, vous allez disparaître. Mais ce n'est pas, 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 pas une mort automatique. Alors, c'est une menace très importante si vous ne bougez pas, mais on peut arriver à survivre si vous vous spécialisez. Alors que... Aujourd'hui, on est dans une technologie de rupture, c'est-à-dire de discontinuité systémique. Donc, une société, une organisation, une personne qui est inadaptée avec le contexte présent, qui lui est adaptée avec le contexte futur, cette organisation va disparaître. Cette personne va. va, va, va si elle est en affaires, ben, elle ne survivra pas. Alors qu'une société, une organisation, une compagnie qui est inadaptée avec le contexte présent, mais qui adopte qui ce qu'on appelle un saut de mouton, c'est-à-dire une transformation numérique, grâce à la littératie numérique, il arrive une... Euh, il arrive... Euh, bien, il peut s'en sauver, il peut s'en sauver. Bien, euh, je pense qu'on va prendre une petite pause pour essayer de digérer tout ça. Ah <laughs> oui! <rire> eh bien, on continue euh, notre cours. Euh, uh -huh. Qu'est-ce que vous entendez, surtout, par... Euh, transformation numérique. Bon, la transformation numérique c'est est-ce euh, qu'on peut le bon voilà, c'est ça, est-ce que ça vise à transformer un service existant en une version numérique, par exemple une caisse enregistreuse avec un lecteur optique, pas du tout. La transformation numérique vise à exploiter les technologies pour remodeler les processus d'affaires afin d'améliorer la chaîne de valeur. Il faut que les entreprises, les organisations, les gouvernements commencent à réfléchir à leur façon de faire. Il faut... Ça permet de libérer les ressources humaines pour qu'elles puissent accomplir des tâches plus complexes. Parce que tout ce qui va être tout ce qui est automatique va être automatisé. Alors, le travail de fonctionnaire qui prend un document, puis qui le met là, puis qui décide si oui ou non, ça, une machine peut faire ça. D'ailleurs, on le voit avec le gouvernement fédéral, avec les, les passeports. S'il y avait des applications en intelligence artificielle, ça serait beaucoup plus efficace. Alors, et ça permet aux entreprises de fonctionner avec la rapidité et l'agilité nécessaires pour évoluer rapidement. Parce qu'aujourd'hui, dans un contexte de compétition internationale, vous devez être agile. Vous devez penser. Vous... Oui. On a l'exemple le, de nos gouvernements qui, sont, qui seraient supposés d'être efficaces. Et puis au gouvernement fédéral, même au Québec, avec l'affaire des... La SAC. C est, c est, ça, c'était deux belles illustrations. C'est que on a voulu, écoutez, je ne suis pas au courant du détail, comment ça se fait que la SAQ, euh, ça va si mal que ça, mais il euh, aurait dû, normalement, il aurait dû tester. En, la, en plus, c'est qu'ils ont fermé les bureaux pendant deux semaines, trois semaines, un mois pour implanter le système informatique, et là, ça ne fonctionne pas. Alors, il y a vraiment, il y a eu des manques. Est-ce que c'est le fournisseur? Est-ce que c'est les... les en fait, c'est un ensemble de circonstances. Mais ça peut être des raisons pour lesquelles les gens ont peur, que par exemple, de diffuser à cause de ça. Mais il y, y, y a une crainte. On va voir tout à l'heure un peu plus loin. On va voir, il y a des applications qui sont très bonnes pour la société, puis il y en a d'autres qui sont extrêmement dangereuses pour la société. Et, et, le, et le problème, et tout le monde le dit, enfin quand je dis tout le monde, c'est les présidents de compagnies, Disent, les gouvernements sont en retard dans la réglementation. Il y a des volontés, il y a certaines réglementations qui se font, mais il n'y a pas de réglementation globale sur Internet, sur la gestion. Et on l'a vu, entre autres, euh, avec Twitter, il y avait des filtres, il y avait des les gens qui, par exemple, les gens qui s'opposaient, qui disaient autre chose que le message officiel, il était coupé, sans raison. Parce que des fois, même si, si vous, vous pouvez être en désaccord avec euh, ce que le gouvernement dit, puis si vous êtes un spécialiste, c'est peut-être vous qui avez raison. T'sais, il faut vraiment être. Mais, mais c'était automatiquement que vous étiez coupé. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les applications vicieuses de l'intelligence artificielle. Alors, une fois qu'on. Et on, pour revenir à notre révolution 4,0, les gens savent ce que c'est une, une coupe, le point d'inflexion classique. Et. On est aujourd'hui ce qu'on appelle une coupe de bâton de hockey, c'est que tout s'accélère. Et on est ici. Et plus ça va aller, plus ça va aller vite, plus ça s'accélère. Alors, est-ce qu'on doit utiliser des stratégies et des méthodes traditionnelles? Est-ce qu'on doit rester, est-ce qu'on peut rester dans notre zone de confort? Non, 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 on ne peut pas. Parce que nous entrons dans l'ère du contenu et des données. Et comme disait Einstein, pour paraphraser Einstein, un univers fini mais illimité. Alors, on a dit dès le départ, l'intelligence artificielle, ça n'existe pas parce que ça prend des données, ça prend de la science des données, et là, on a des applications d'intelligence artificielle. Donc, quand on parle de données massives, bien, le concept de données massives, c'est en anglais Big Data. Ça a été développé par la NASA en 1997. Alors, je vous rappelle que Google a été fondé en 1998. Par deux petits génies de Californie qui étaient en mathématiques pures et qui se sont dit l'avenir est dans les données Et aujourd'hui, Google vous vaut extrêmement cher. On a parlé de Smart Data, de données plus intelligentes. Est-ce oui? qu'on peut faire justement le parallèle? Google, on donne un mot, puis il peut nous sortir 3-4 000, 000 applications. Oui, quand vous faites une alors, recherche, ouais. alors ça, c'est. c'en est, est une application. Google a fait. En fait, sa richesse sur cet outil de recherche et là, ça permet de faire de la publicité. Et ils ont pris avec, parce que quand vous faites une recherche sur euh, n'importe quel mot, peu importe, et comme vous dites, ils vont chercher des références partout sur Internet, mais dans le fond, les trois, quatre premières réponses sont celles dont vous avez besoin. Les autres, c'est juste, ça existe, puis euh, c'est très souvent redondant. Ce sont des répétitions. Aujourd'hui. Vous m'amenez à parler d'une application que, qui est plus ou moins connue, ça s'appelle Chat GPT. En anglais, Chat. Chat, c'est Conversation, GPT, Generative Pre-Training. Alors, c'est une application qui permet aux personnes, là c'est plus c'est plus que c'est mieux qu'une recherche. Vous lui dites, écoute, fais-moi un texte sur euh, les papillons en Amazonie. Huit pages, ou deux pages, ou une page, ou tourne-moi les photos de papillons à Amazonie, Et c'est relié, c'est un outil de recherche comme Google, mais extrêmement puissant, plus puissant, en fait aujourd'hui plus puissant, et qui va chercher tous les textes qui sont, il va chercher des phrases et il va vous faire un texte qui est loin d'être littéraire, mais qui est relativement, qui est du niveau secondaire, d'un enfant, d'un élève du secondaire. Il n'y a pas de faute d'orthographe parce que normalement, mais s'il si, 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 va corriger en plus, parce que si sur Internet, il va trouver des fautes, il va les corriger. Et si vous lui faites la, la demande en français, parce qu'il travaille en anglais, mais la traduction se fait automatique, il vous répond en français. Alors, c'est ça qui est assez exceptionnel. Et c'est un danger de plagiat. Et c'est plusieurs institutions d'enseignement ont interdit l'utilisation de charge GPT par les étudiants, parce que là, c'est un, un travail de paresseux, plutôt que de faire de la recherche, prendre deux, trois, quatre, cinq livres, lire. Là, c'est vous lui demandez, puis il vous sort un texte qui est loin d'être parfait, mais, mais, mais qui est quand même, qui est tout à fait normalement, si votre professeur n'est pas trop, trop vite, ben, C'est un peu Google. Mais tellement c'est euh, plus, est fort, plus, est plus, plus fort, oui, c'est ça. Bon. mais il mais faut dire que Google prépare sa version. On va <laughs> le voir un peu plus loin. Il y a une version qui s'en vient, qui va être encore plus forte que Chat GPT aujourd'hui. Alors, donc les, euh, Ce qui est intéressant, c'est que ce que je veux. Il y a une chose qui est, qui est, euh, que les gens ignorent, c'est que le web, le web que, auquel vous avez accès, c'est strictement 80. C'est 5 de tout ce qui est sur le Web, parce qu'il y a ce qu'on appelle le Dark Web, et il y a le Web qui est, qui est tout à fait légal, mais c'est tout ce qui est. Toutes les données des entreprises, par exemple, qui ne sont pas accessibles au grand public, c'est sur le Web, c'est en réseau, des réseaux fermés, des réseaux internes, enfin, peu importe. Tout ce que je dis, c'est que vous, que quand vous parlez d'une recherche sur Google, Bien, c'est strictement 5 de l'ensemble des données qui sont accessibles. Alors, vous voyez la quantité de données qu'il y a sur Internet, sur le Mais Il n'y a pas de danger, justement, quoi, entre pays, là, justement, qu'il y ait des... Ah, il y a des <rire> dangers. <rire> il y a des dangers. Il y a des dangers. Et, et, et c'est bien que vous le souligniez. <coughs> Pardon. Il y a des... Euh, oui, il y a des pays qui vont tricher. Il y a des pays qui vont aller chercher des renseignements chez vous. Il y a toujours le, le bon côté et le, le côté plus dangereux. Ah, aussi. Ça, c'est clair. Alors, quand on parle de données massives, tout le monde sait ce que c'est un meg. Un meg, un meg, un giga. Euh, les ordinateurs, c'est au niveau du, du gigaoctet. Bon. Alors, si on dit que deux megs sont l'équivalent d'une tasse de café, aujourd'hui, on est dans l'ère des états octets. Alors, les, les états octets... C'est euh, l'équivalent de la muraille de Chine. Mais c'est comme vous le savez, je parle de la grande muraille de Chine parce qu'en Chine, il y a eu plusieurs murailles. Alors, on continue. <laughs> Alors, les années 90, je pense vite là-dessus, mais ce qui est important, c'est qu'à partir des années 90, il y a eu une multiplication des données. Et euh, ce qui était. Euh, les gens savent ce que c'est le nuage, en anglais le cloud. C'est l'ensemble des applications qui permettent de générer des contenus. Aujourd'hui, on parle d'Internet des comportements. C'est la poussière numérique que vous laissez quand vous naviguez. Et elle comprend la reconnaissance faciale, le suivi de la localisation et les données physiques et personnelles. Par exemple, les compagnies d'assurance maladie qui surveillent le niveau de forme physique et la consommation de nourriture pour ajouter votre prime. Parce que vous savez qu'avec votre téléphone, vous êtes suivi. Et si vous avez un télé, une montre qui permet de calculer votre pouls, votre nombre de pas, ben dites-vous bien qu'il y a plein, plein de gens qui regardent, qui vous suivent. Alors, donc, l'Internet des comportements, ce qui est important de savoir, il y a eu le nuage, le brouillard et la, la brune, mais c'est, je passe rapidement là-dessus, mais c'est pour que les gens comprennent qu'il existe différents niveaux d'accès de données. Et aujourd'hui, on a... On, 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 ce qui se développe beaucoup, c'est l'info nuagique proximal. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est qu'avant, il y avait des, des capteurs qui envoyaient à des serveurs des données, et il y avait une décision qui était prise par le serveur qui était renvoyée au capteur ou à l'application, à l'ordinateur que vous avez, peu importe. Aujourd'hui, avec l'info nuagique, nuagique proximal, c'est des mini-capteurs qui décident de prendre une décision, eux, ils n'en voient plus dans un serveur central. Ce qui fait que vous avez un capteur dans une hélice d'avion, et s'il sent qu'il y a une fêlure, une brisure, une, peut-être pas une brisure, mais une fêlure microscopique, lui, il va tout de suite donner un signal que ce, ce moteur-là, cette palle d'avion qui pose un problème, va être arrêté. Alors, c'est dans les génératrices, c'est partout. Il y en a partout, 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 partout. Alors... Et les données, donc, les données massives, bien écoutez, aujourd'hui, vous le savez, la richesse n'est plus dans les gisements de pétrole, c'est dans les gisements de données. Et toutes les grandes compagnies qui ont plein de données, c'est elles qui sont les plus riches cotées, c'est celles qui sont cotées en bourse. Ouais, je pense qu'on va être euh, obligé d'arrêter à cause du temps. Mais c'est presque nécessaire de continuer dans une autre émission. Bien, je pense que ce serait euh, si on veut avoir des applications, ce serait <laughs> utile de pouvoir continuer. J'espère que je n'ai pas été trop trop vite, trop C'est faut, faut écouter, il faut réécouter. Il faut comprendre que c'est normal, les gens ne connaissent pas ça. Même les spécialistes en dehors de leur secteur ne connaissent pas les autres spécialités. Alors. C'est normal. On est dans une connaissance nouvelle. Là. Bien, on se donne rendez-vous pour une autre semaine. Parfait. Alors, merci beaucoup, Monsieur Petit. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup.